Ouais, bon ça ouais, il y en a qui sont techniques quand même. Oui, aïe, aïe. Ah c'est... Quand je vous dis que c'est dur, hein. Je dis, quand je dis que c'est costaud, c'est costaud. Hein. Ah mais en fait, j'ai pas eu le truc. En fait, la trage, elle est, bah, tu vois c'est où c'est usé, tu vois. Elle est sur ta droite, là, le long, là. Et après, il faut juste enrouler, là. Et tu fonces sur moi. Bah, j'aurais pu... Attends, je vais reprendre deux. Après, c'est comme au boulot, t'as un droit de retrait. Parce qu'en fait, là, je passe des longs. T'as un droit de retrait, hein. Si tu veux pas faire, tu fais pas. Ils ont créé un atelier où je pensais pas qu'on ferait un atelier. C'est ça aussi, école de VTT. S'adapte. Ouais, la trage, elle est sur ta droite, voilà. Ouvre sur la droite, voilà, et plonge. Bien sur l'arrière. Impeccable. Oh là les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo école de VTT. Alors vous le savez, c'est une idée comme ça, hein, c'est école adulte de VTT. On est parti, on est 14, ça fait plaisir, il y a plein de nouvelles têtes. Je fais pas trop long, allez hop, on y va, à tout de suite sur le VTT. Fais du trekstand, tout le monde sait ce que c'est du trekstand. C'est un mot barbare à la con qui veut dire juste équilibre. Ouais, mais... Okay. Quoi, ça doit pas être la définition, mais pour, dans ma tête, c'est comme ça. C'est juste, vous tenir l'équilibre, c'est la base du VTT. Vous rentrez dans un des deux portiques. C'est pour ça que j'en ai mis deux, comme ça va plus vite, vu qu'on est 14, ça fait 7 par 7. Et le but du jeu, c'est battre l'adversaire. Celui qui est avec vous dans le sas, il faut que vous teniez plus longtemps que lui, en équilibre. Alors, vu qu'il y a une majorité d'électriques, moi je vous conseille, après chacun sa technique, hein. Ce que je vous conseille, c'est de couper les assistances. Okay. Parce que chaque fois que vous allez mettre un coup de pédale pour... ça va mettre un à-coup, exactement. Et le but du jeu, c'est que vous bloquez bien vos freins. Et pour trouver votre équilibre, en limite, il faut vous imaginer que vous faites un mouvement de balancier comme ça. Pour bouger votre centre de gravité et tenir le plus longtemps possible. Alors dit comme ça, c'est rigolo, mais vous allez voir que le mec à côté de vous, il voudra vous battre. Donc le but du jeu, c'est de le battre. À ce moment-là où je reste accroché au pédale, c'est ça? C'est ça. Alors, à ce moment-là que tu pousses le mec à côté. Tous les coups ne sont pas permis. Si on se tient comme ça, coopération. Ah, bah tu sais qu'on peut faire un atelier comme ça. Tu sais que dans les écoles de VTT, les gamins, ils font comme ça. Ils font des tours, un ovale comme ça. Et ils se tiennent tous par l'épaule. Hein. Et on peut en rigoler, mais c'est pas facile à faire non plus. Hein. Bah ouais, voilà. Combien il arrive à en taper une fois? Bien, tu vois. Ah, il y a du niveau là. Ça, c'est le reste de l'enfance. Ouais, c'est ça. Je sais pas. T'as moins chaud au fion? Ouais. Sans la mousse, t'as moins chaud. Ouais. Eh, t'es bien, regarde. Le câble. Et avec le fin. Voilà. Voilà, on va niquer un plomb. Voilà, ah, bravo. Putain, la relève elle est là. Hein. Lulu l'a compris, pour gagner il arrive après lui. Allez fort. Oh, ça va, fais calme. Et pourquoi t'as le pied par terre? Elle fait pareil, elle fait pareil, ils sont sérieux là. T'as le pied par terre. Bah, y'en a qui ont bossé, hein. Ouais, moi je veux dire, là. Bah, je veux pas dire, mais du côté de la région lyonnaise, là-bas, ça a bossé. Hein. Ça fait pas que du placo. Ouais, ah ouais. Et d'aller freiner. C'est un exercice que Seb nous avait fait, Sébastien Petitjean. Ça marche bien. Il faut faire le slalom en cabrant maintenant. Tu veux les resserrer? On peut les resserrer après. Hein. Le temps que tout le monde passe, après on les resserre. Hein. Je vais les remettre en forme déjà. Ouais, il y en a quelques-uns, ils sont devenus. Hop. On va les resserrer un peu pour me piquer la fête. Bon ben voilà, deux petits ateliers.
fait bien de faire les ateliers au début, comme ça après on part en mode rando. Toujours plus cool. Puis on voit, tu fais un atelier pendant 5-6 minutes, tout le monde est attentif, puis après tout le monde en a marre, donc tant qu'à faire, on les fait d'entrée, comme ça ça chauffe un peu tout le monde. Puis après on peut y aller. On va se faire une première petite descente, histoire de se mettre en température. Pas méchante. Ça va peut-être être un peu glissante. Ah bah c'est à gauche là, si vous voulez vous faire plaisir, remontez un peu à gauche. Merde. Bon, je vais essayer de striker personne. Hop. Oh, ça bouchonne pas. Oh, du niveau. Une bonne session aujourd'hui, j'ai l'impression. Ah si. Petit rappel, profitez pour faire mes petits rappels. Allez, l'école de VTT, vous venez comme vous êtes, c'est un peu comme un McDonald's. Il faut être majeur ou s'il y a un mineur, il faut un représentant légal, papa, maman. L'idée, voilà, c'est ça, c'est de venir comme vous êtes. On partage ensemble un bon moment de VTT, un peu de technique, on apprend ensemble. Il n'y a pas de moniteur, donc c'est basé vraiment full partage. Allez, on s'en fait une un peu plus musclée. Allez, partir de là qu'on rigole. Attention, il y a un peu de gaz là. Un peu de pente. Gardez vos distances, gardez vos distances. Voilà, ça engage un peu. Pas de soucis. Hop, 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 ça va. C'est bien. Ah, pas évident, j'ai pas demandé son âge. Ah, pas bien vieux. Hein. Ah si, ça y est. Oula, je me sens la seule pierre qu'il y avait. Pas de soucis, pas de soucis. Eh bien. Passer à gauche, tu vois, c'est moins accidenté sur ta gauche. Vas-y, bien souple sur tes bras. Ouais, super. C'est bien. Essaye de rouler un peu sur le talus, tu vas voir. Non ? Comme tu le sens. Impeccable. Nickel, comme un chef. Mon art comme truc. Puis t'as un ou deux ans pour faire les jambes après. C'est Louise hein, que je tire, c'est pas toi. Hein. Prochaine école, je crois que je vais faire bosser les virages.
la Rolling Stone. Ça fait longtemps que j'ai plus fait. Et pour être parfaitement complet, si vous vous demandez qu'est-ce qu'il faut tenir physiquement pour venir à l'école de VTT, en général, ces derniers temps, c'est du 20-25 km pour 600-800 positifs. Donc c'est déjà un petit bagage physique. Hein. Après, niveau temps, on n'est pas chiant. Hein. On part entre 8h30 et 9h. Et on essaye d'être aux voitures pour midi. Donc vous voyez, bon, on s'arrête souvent pour les ateliers et tout. Donc en temps de roulage, vous n'aurez pas plus de 2 heures, grand max, je pense. Donc voilà, c'est à peu près, voilà, si vous faut des échelles ou un peu des chiffres pour vous situer, voilà. Et puis on se cale toujours, on s'adapte toujours sur le dernier. Voilà, là tu vas tranquille, tu joues bien sur tes freins et tu te positionnes un petit peu derrière. Voilà, maîtrise bien ton freinage, maîtrise ta vitesse. Non ? Trop costaud ? Voilà, pédale bien, parallèle. Super, maîtrise ta vitesse. Bravo. Au top, rien à dire. Parfait. Ah, c'est le seul truc compliqué qu'il y a ici. Après, le reste, c'est que du plaisir. Si je tire. Oui. Et voilà, VTT Plaisir, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si des fois vous êtes dans le coin et que vous voulez vraiment venir à l'école de VTT, surtout n'hésitez pas, franchement, tout le monde est le bienvenu. Les amis, je vous souhaite de bons rides et faites du vélo.